Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va se trouver sur un tuto qui va vous aider à ajouter de la mémoire sur votre iPhone, iPod Touch, iPad sous iOS 9 sans rien supprimer. Alors déjà, il faut aller dans Réglages, puis descendre jusqu'à Général, Informations. Alors, il me reste 915 MO, ce qui est pas beaucoup. Donc, je ferme ce réglage. Je vais dans iTunes Store. Il faut trouver un film. Plus le film est long, plus ça va rajouter de mémoire. Donc je sais que ça marche très bien avec les Star Wars. Donc je prends Star Wars, j'en prends un, je sais pas, l'attaque des clones là. Mais ça marche avec tous les films. Vraiment, avec tous les films. Alors faut vérifier que il est bien plus lourd que ce qui vous reste de mémoire. Donc là, bien, je pense oui, bah, 5,47 gigas. C'est bien au-dessus. Après, je mets donc acheter. Alors là, ça va mettre normalement que le téléchargement est impossible parce qu'il y a plus de place. Exactement. Là, maintenant, je retourne dans Réglages, Général, Information. Est disponible 1,1 giga. Donc ça a rajouté à peu près 300 MO. Mais ça peut arriver jusqu'à 1 giga parfois, donc tout dépend, c'est presque jamais pareil en fait, c'est différent. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis au revoir.